Hey, coucou YouTube, on repart sur Bad Dream Coma qu'on n'avait pas terminé dans la première session il y a quelques jours. Donc voilà, on essaie de se finir le jeu en mode avec une fin mauvaise évidemment, vu qu'on a commencé le jeu en défonçant tous les oiseaux. Donc on n'aura pas la bonne fin, c'est sûr. Mais bon, on va quand même essayer de se faire le. De se finir le jeu tout de même. Ah oui, alors c'est vrai. On avait quoi? Par contre, ça m'a pas tout enlevé quand même. Putain, ça m'a tout enlevé. Je pensais que le jeu sauvegardait de temps en temps. On voyait quand même. Alors, oui, on avait ça. Les factures en retard. On avait ça, la clé. Là, on peut sonner chez les voisins, mais il n'y a personne, on peut ouvrir. Alors, il n'y a rien, mais je peux ouvrir les rideaux. On a le petit cochon. Je sais plus ce qu'on avait fait. Là, il n'y a rien, là, c'est la flotte. Je crois que c'était dans une chambre qu'on avait chopé un truc, non? Là, voilà, on voit rien. Hop, j'ouvre. Ça, ah, si j'ai pas de bain là, alors, bah, c'est pas le temps de la croire, la magie. Ah voilà. La facture d'électricité là-dedans. Ensuite. Ensuite, on avait été en face. On n'avait pas trouvé grand-chose. Là, c'est fermé. Là, on peut bouger ça. Là, on peut bouger ça. Ça sert à rien. Là, c'est la lumière. Dans la veste, on avait trouvé un bouton. Jusque-là. Là, ça sert à rien que dalle. Voilà. Oh! Ça, j'avais pas testé par contre. Là, dans la chambre, on a les portraits, ça sert à rien. Là, on peut ouvrir ça. Là, il y a le poste de radio. Et dans la cuisine. Alors, la clé dans les toilettes. Ah! Ah, j'avais pas eu ça non plus. Y a de l'ambiance dans ces petites boîtes. Alors. Le bouton, le truc à fusible, ça me paraît logique, non? Petite biche? Non, la loupe. Et ça servait à rien. J'ai tout fait cramer. Oh, j'ai tout fait cramer. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Non, ça marche toujours pas. Ah, maintenant je peux ouvrir ici. Ah, fusible. Je remets le fusible ici. Oh! Qu'est-ce qu'on. Des dents. Oh, mais il est sympa ce jeu, hein, sinon. Vraiment, un bon esprit. Qu'est-ce que je peux. Les gants? Non. Petite biche? Le clown? Bouton. Et dents. Le stylo.
Ok, ou alors faut que j'aille dans les toilettes. Les toilettes en face. Non, ça marche pas. Bon, ces toilettes là, ça ne fonctionne pas. Mais les stylos, ça va être pour écrire l'adresse au dos, je pense, non? J'imagine. Petit cochon. On a rien. C'est un peu glauque. Il me faut un truc pour les toilettes, quoi. Qu'est-ce que je peux faire avec les toilettes? L'électricité ici. Est-ce que ça me fait quelque chose en face? Non. Non. Si j'éteins la lumière. Quelque chose ici, ça a pas l'air. Oh mais non, le jeu. On peut jouer avec le caca et l'urine. Non quoi, non. Qu'est-ce que je peux mettre? Je descende. Vous voyez plus rien? Thank you.
me faut une clé. Hein. Clairement, il me faut une clé. Ah oui, d'accord. Alors, c'est ça. Ah oui, ça, c'est ça. Ok. Ah, ok. Ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ne cherchez pas le débile. C'est celui qui demande. Hein. J'ai cassé un truc ici a priori. Je vois pas ce que je peux prendre là. Il doit me manquer un truc là. Non, je triche pas. Évidemment que je ne triche pas. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis en train de tricher. Je ne vois pas pourquoi vous pensez ça. Et Oh là là. Attendez. Attendez. Ils me disent quelque chose. Mais les dents. Utiliser les dents sur le... Pourquoi ? Je pige pas l'intérêt. La petite souris, si je fais ça, c'est ça? Ah! Il y a vraiment la petite souris si je fais ça. C'est quelque chose, hein? Ah, bah oui, la pièce de 5 inversée, si c'est dans l'autre. Et là, j'ai une pièce de 5 normale. Je suis ravi. Voilà. J'ai mis la thune.
J'ai mis la thune. Ok. Ah! Ah! Il y avait un timbre. Là, je l'avais pris en plus la dernière fois. C'est bon, j'ai l'enveloppe. Je peux la poster. Et là, il n'y a plus le message. C'est bon. J'ai l'électricité. C'est quoi? Jeu de société. C'est bon, je me suis débloqué. Ah mais oui, ça a dû, d'accord, ça a dû tomber dans la cave. Et ça. I've got the key. Non mais les toilettes qui s'écoulent dans le... Par contre, normal, hein, les toilettes qui s'écoulent dans le... Dans la cave... Tout est ok, hein. C'est évidemment le fonctionnement normal des toilettes. C'est la clé chez les voisins? C'est la clé de dans le bâtiment à côté? Ah non, c'est peut-être la clé d'une boîte. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Ça prend du temps, mais on va y arriver. Ouais, je suis... Ah, hein? Pas rassuré de là. Alors, help me. Ah mais je... suis bloqué. Ah, bloqué. Si j'essaie de sortir par les cabinets, ça ne va pas marcher. Ah. D'accord, est-ce que je vais pas essayer de... Voilà, lockpick, là... Une clé encore. Prends un téléphone. Trente secondes et je me dis que c'est vraiment glauque. C'est vraiment glauque. En même temps, qu'attendre d'un jeu qui s'appelle Bad Dream Coma?
J'ai un jeu de société à un dé. Ah, peut-être dans le salon? Ça c'est fait. Ça sonne, mais on peut rien faire. Il faudrait que je sois dans le noir. Pas l'air de faire grand chose. Pas l'air de faire grand chose. Dès qu'il me gratte. Pourquoi j'ai un jeu de société? Un jeu de société. Ah! Oh, voilà. Oui, d'accord. D'accord. Ok. Rabia a bu dans le... Elle a essayé. Elle a essayé, mais elle n'a pas bu. Elle a tenté. Alors, attendez. Un jeu. Reroll. Dynasty. Ça va donner quoi comme statut?
J'ai triché. Voilà, là, du coup, ça marche bien. Non, ça c'est bon. Oh, regardez, hop, hop. Ah non, merde! J'avais qu'un nombre de... J'avais qu'un nombre où ça marchait. Deux, non mais deux on est bon. Quatre on est bon. Un. Un. Un, deux, trois, quatre, c'est bon aussi. Merde! Pas grave. Six on est bon, ouais. Qui c'est qui est? Qu'est-ce... Hein? Qui est à la porte? Mais ça me fait flipper ces conneries. Oh! Ah, ce jeu de merde. J'ai ajouté un petit quelque chose dans ton jeu stupide. Amuse-toi bien. Couillon, c'est déjà celui qui nous avait crevé les pneus là. Qui nous a rajouté? Oh, il a rajouté de la merde là, j'en fous. Trois, on est bien. Cinq, on est bien. Deux, on est bien. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien aussi. Un, deux, trois. Salaud. Ça fait quoi si je... Ah d'accord, je retourne au checkpoint. Ah ça va, on retourne juste au checkpoint. Un, deux, trois, je m'en fous. Voilà. Ça va mieux. Shit. Shit. Mais non, mais pourquoi j'ai rien? Mais je sais que j'étais... C'était nul. Merde. Mais j'avais un bon truc et j'ai cliqué comme un glandu. Deux, non, j'ai pas envie de faire deux, non? Oh là là, mais quel jeu de merde. Ça va durer les plombes. Mais non, je veux pas faire un... Quel jeu à la con. J'ai l'impression qu'il me reroll toujours le même en fait, maintenant quand je reroll. Là faut que je fasse 3. Dommage. Quel autre qui se fout de notre gueule là. Et non pas un. Y a des gens qui speedrun ce jeu. Parce que ça doit être chiant.
De speedrun ce truc là qui a l'air aléatoire. 2, 1, 2. 3, oui. 2, non, 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 non. 3, oui. Vas-y. Non, pas 3. Oh là, non, pas 3. Oh non! Mais quel jeu de chiasse! J'ai aucun contrôle là-dessus. En fait, faut vraiment cliquer comme ça, comme un bourrin, jusqu'à ce que ça passe, quoi. C'est ok. 2 c'est ok. 1 c'est ok. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ok. Là combien? 1, 2, 3, bon, c'est ok aussi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Qui es-tu? Tu ressembles à quelqu'un qui a de bonnes intentions. N'essaie pas de me jouer un tour ou je te fous. Hein? Je te fous. Ou coup. Hein, c'est un. Un coup dans les boules. Où est-ce que tu as trouvé ce jeu? Je voulais m'en débarrasser parce que je le trouvais ennuyeux. Je ne peux pas me payer un ordinateur en attendant d'inventer des jeux de société. Nous sommes assez pauvres. Pour soigner mes parents, ça coûte vraiment très cher. Et si tu as déjà joué, dis-moi si t'as aimé. Je vois que tu l'as amélioré, alors je suppose que tu ne l'as pas fait. Je savais que ça n'avait pas grand-chose. J'ai rien compris. Je ne serai jamais un bon créateur de jeu. Et sinon, qu'est-ce que tu fais par ici? Mes parents t'ont envoyé ici? Je sais pas où ils sont. J'ai peur qu'ils soient déjà morts. Je me fais tellement de soucis pour eux. Ils sont peut-être retournés à une vieille maison, celle à côté de la forêt. Peux-tu aller à la recherche? Trop petit pour y aller tout seul. De toute façon, je dois surveiller la maison. Pas besoin de faire du souci pour moi. Je suis très malin, très courageux. Tu peux y aller maintenant. Ah. T'es chiant. La vieille demeure. Oh, un petit toutou chien. Coucou le toutou chien. Ah mais non, mais c'est là où on a déjà été. Go away. Oh là là. Ben voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai fait? Braconnier. Bah, braconnier, c'est pas gentil. Braconnier, pas gentil. Voilà, il y a le monde qui commence à... le monde qui commence à partir en cacahuète là. Petite patte de lapin. La patte de lapin qui va me donner de la chance. J'ai tout repeint. Avec la patte de lapin. Je peux entrer dans la tente. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Là, j'ai le morceau que je peux remettre là. Voilà. Ok. Treasure map. Top secret.
qui? Je te préviens. Ok, je peux entrer dans les cabinets. Un pass. Voilà. Enfin, c'est la nuit maintenant, c'est malin. Putain, ils ont dessiné du merdier là. Du coup, je vois que dalle dans la maison. Oui, tu me préviens, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je préfère... Mais c'est quoi ce jeu? Je préfère Rayman, ouais, bah ouais. Ouais. Mais Rayman, c'est un peu trop bon esprit en fait. Un peu trop sympa. Petit jeu comme ça, de temps en temps, là, on s'amuse bien, non? Vous pouvez pas qu'on s'amuse. Clé, une clé dans l'arbre.
Qu'est-ce que je peux faire avec la lune? Qu'est-ce que je peux en faire de la lune? Qu'est-ce qui me manque? Ah! J'ai pété un truc. Il y a un truc dans la flotte, mais... Non, mais il me manque quelque chose, hein. Mais quoi? Ah! Et voilà. Voilà ce qui me manquait. Ça y est, il refait jour. C'est logique. Aïe. Aïe! Blessure grave. Encore? Je vais pas crever, hein. Promettez. Oh. Spike, il est mort, a priori. Petit chien. Au revoir, petit chien. Au revoir. C'est normal. Hein. C'est gens qui crient, gens qui pleurent. C'est lui qui crie, regardez, c'est lui qui crie. Regardez. Ah. Hein? Je l'aurais coupé les... Ah. Je l'aurais coupé les yeux. Normalement, ils vont plus m'embêter. Sors d'ici. Ah! Putain, il m'a fermé la porte au nez, salaud. Non mais la mort, c'est plus ce que c'était, hein.
Je leur ai coupé les yeux, ouais. Fait trop peur ton jeu, je passe juste dire bonne nuit, mais je reste pas. Non, mais quand est-ce que t'es. Alors, je t'avais demandé, mais t'avais pas répondu à la fois, t'étais parti trop tôt. Merci, mais elle est d'être passée. Et quand est-ce que t'es dispo pour que je joue à Loom? Voilà, parce que j'ai envie de me faire Loom du coup. Mais j'attends que tu sois dispo, ça serait quand même con que je fasse Loom. Et que tu ne sois pas là, quoi. Je m'en voudrais. Plouf. Dis-moi pas qu'elle est déjà repartie quand même. Moi je fuis. Bah allez-y. Bisous. Laissez-moi seul. Laissez-moi seul avec le jeu trop dur et trop peur. On peut lui parler au gamin là? Gamin mignon là, on peut pas lui parler? La clé, regardez la clé. Y'a le petit cours d'eau là. Y'a la niche du chien. Mauvais acteur, mais pas du tout. Je joue mal. De toute façon, je fais un monologue depuis tout à l'heure. Bah non, tu fais pas un monologue vu que on discute tous les deux. Alors que j'essaie de te soutenir. Bah pas du tout. Elle est où ma copine Bibi? Bah tout à l'heure elle était chez Blacky. Tout à l'heure Bibi elle était chez Blacky. Maybe tu la trouveras là-bas. Non mais elle a pas le droit de foutre le bordel ici Bibi, elle est modératrice. est-ce que voilà, tu t'imagines une modératrice foutre le bordel sur la chaîne qu'elle modère? Quand même. Que même. Ça serait bizarre. Pas mettre un bot qu'on pourrait pour rien. Si, mais moi je le développe en fait. Mais ça, t'as vu le temps que je mettais à développer un truc correct, hein. Tu as vu que je passais des heures. À corriger des bugs que j'ai moi-même créés et qui sont simples à résoudre, mais c'est juste parce que je suis nul. Qu'est-ce cette étrange chose? Et re-ran.
Et bah ceci c'est Bad Dream Coma. Et c'est un point and click horrifique. Et qui est vraiment très très chelou et qui est vraiment très très spécial dans l'ambiance. Qui est spécial dans l'ambiance, qui est dans la musique, dans le graphisme, dans les trucs qu'on trouve. Voilà, et là il y a la mort qui vient de nous foutre à la porte de la maison en nous disant de dégager. Et là faut que j'essaie de re-rentrer dans la maison. J'ai fait une run où j'ai survécu contre Grid avec un demi-cœur. Et c'est utile de remplir sa machine. Tu parles du mode Grid, c'est ça ? Oui, il faut remplir sa machine. Tu vas débloquer des trucs au fur et à mesure. Par exemple, quand je te parlais du Holy Mantle pour The Lost, c'est en mettant 700 et quelques pièces dans la Grid Machine. Donc oui, clairement, faut mettre des sous dans la Grid Machine. Et même, faut la faire péter à la fin. La plupart des trucs, c'est avec des DLC. Ah ouais, c'est vrai, exact. Du coup, je sais pas. Ouais, je saurais pas te dire. Tellement longtemps que j'ai pas joué à Rebirth sans les extensions. Là, clairement, je ne sais point, je t'avoue. Mais il y a la clé là. Mais oui, mais j'ai plus rien pour découper. Mais rentre dans les cabinets, rentre dans la truc là, je sais pas, fais quelque chose. Est-ce que je peux pas dégonder la porte, genre ça? Je sais rien là. On va foutre le feu. Le mec peut même pas utiliser sa main pour arracher un poster. Ah, je suis pas très en forme. Hein. Je t'avoue. J'ai perdu mes yeux à un moment, mes armes. Bon, je vais appuyer sur cette touche. Juste comme ça. Oh mais non, mais j'ai essayé ça. Ah non, j'ai pas essayé. Ah merde. Il y a des screamers, non. Il y a des petits moments où tu t'attends pas à des trucs et mais c'est pas des trucs qui te sautent au visage en mode ah, tu vois. C'est plus ah tiens ça, je l'ai pas vu venir quoi. Voilà, maintenant les ceux qui gueulaient là, ils ont plus de œil, donc c'est ok. Stay with me, Dad. I love you so much. Pas en forme. Il est pas en forme, papa. Hein. Papa. Ah. Cher mort, s'il te plaît, ne prends pas mes parents. Tu peux avoir tous mes jouets. J'ai rangé ma chambre tous les jours. Je promets. Non, je rangerai ma chambre tous les jours. Je promets. Je sais que des fois, je suis un peu pas sympa et pas très poli, mais je changerai. Je ferai n'importe quoi. Juste ne prends pas mes parents. Je t'en supplie. Je suis désolé. Il le faut. N'essaie pas de m'arrêter. M.
Ah, la voiture, les punaises, le Teddy. La Mystery Box Trap, ça je sens que je vais me la prendre dans la pleine gueule. C'est l'armée pour stopper la mort qui t'a assassiné, Mathia. La mort qui t'a consumé. C'est le cancer que tu as pris sur ton bras. Ah non, hein. Les gants. Hop. La chambre de papa et de maman. Ah, j'ai tout balayé. Couteau plus poster des chiottes. Non, mais le poster des chiottes, j'ai déjà récupéré ce que je devais dessus en fait. Joyeuse fête des mères, je t'aime tellement. Oh, j'ai vraiment plus beaucoup de vie là, hein. Je vais crever. Hein. I'm going to crever. Hein. Tu es encore là. Ah, je crois qu'il m'a reviré. Get out. Vais enlever le scotch. Voilà. Ah là 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 là. Il y a la mort qui m'a dit de me barrer. Et moi, je déplace le truc. Ah mais elle m'a pris tout mon stuff en plus. Mais je l'ai pas vu celle-là. Ah. C'est bon, j'ai retrouvé mes trucs. Voilà, il y a des trucs en plus là. Ah, j'ai la clé. Merde. Dernière chance. Thank you.
Non, ça je suis déjà allé. Ah mais là oui. Là, la clé ici. Non. Il y a une biche ici. Non. Et ciseaux ici. Ça, c'est le début du jeu. Là, il a tout enlevé, quoi. Plus interagir. Je peux plus interagir avec le bordel là. Ah non. Non, toujours rien. Je vois pas. Un truc que j'ai dû que j'ai pas dû voir. Là il y a ça, là il y a le lapin. Ok. Non, c'est là. Ok, c'est là. Le basement. Je peux aller au basement, c'est par là. Voilà, qu'est-ce donc que ces rituels sataniques là? Pourquoi moi, commandant Cousteau? Pourquoi moi, commandant Pourquoi Cousteau? Tu as la mauvaise conclusion pour le moment. Ah oui, non, mais pas pour le moment, en fait. Une fois que t'es passé sur la mauvaise, là, dans mon statut, on peut voir.
Donc, il y a la bonne qui est possible, la neutre et la mauvaise. Enfin, les bonnes, les neutres et les mauvaises. Et à partir du moment où, par exemple, les bonnes, c'est foutu, c'est de toute la partie, en fait. Tu peux pas le récupérer. À partir de les neutres, à partir du moment où c'est foutu, en fait, tu peux plus récupérer, en fait. Donc là, j'aurais forcément une des mauvaises conclusions. C'est sûr. Comment veux-tu venir ici ? Je pensais t'avoir expliqué clairement que je ne voulais plus voir personne ici. Je veux être seul. Les gens ont peur de moi. Ils méprisent ce que je fais. Ces dessins d'enfants m'ont brisé le cœur. Je ne veux plus emporter les gens, ni les faire souffrir. Ce monde sera plus beau sans moi. Vous pourrez profiter de votre vie éternelle et sans fin. Plus aucun accident ni aucune maladie n'achèveront vos vies. Si tu crois que je me trompe et que je devrais reprendre mon travail, prouve-le-moi. Je ne crois pas que tu puisses trouver les arguments, mais tu peux toujours essayer. Maintenant, laisse-moi seul. Faut pas te faire choper par la mort. Je ne sais pas en fait. C'est la première fois que je le fais et tout, donc je ne sais pas. Je vais être seul. Tu veux qu'on en parle? Bah non, je vais être seul. Chapitre 8, la sortie. C'est dans mon calme d'un coup, dis donc. Pellicule photo. J'ai chopé des pellicules. On fout de partout. Ah, tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parte? Ah oui, effectivement. Bah, désolé, j'avais mal lu. Qu'est-ce qui me vole encore? Par où? Par où? Ah, j'avais pas vu Ran. Comment tu fais pour garder une bonne fin? Faut éviter de faire le mal en fait. Faut éviter de faire le mal. En fait, là, dès le début du jeu, j'ai buté les oiseaux. Premier tableau, j'ai buté les oiseaux.
Et en fait, je suis passé directement en mode méchant. Donc j'ai pas eu les bonnes fins. Mais donc ouais, faut éviter de faire le mal en fait pour passer pour être sur les bonnes fins. Et étant donné que j'ai joué full mauvais. Ah mais j'ai quoi? Mais je peux aller nulle part là. Un truc qui est pourri là, qui est pété. Hein? Qu'est-ce qui me fait le jeu? Salut. C'est une situation délicate. Il m'arrive parfois de rêver de mon enfance. C'est amusant. Un homme adulte qui rêve qu'il retourne à l'école. Je voudrais revoir mes parents. Ils me manquent beaucoup. C'est difficile au début, mais le temps répare les blessures. Maintenant, j'ai ma propre famille qui compte sur moi. C'est pourquoi je serais content de quitter cet endroit. Nous devons convaincre la mort de nous libérer. Je vais retourner à l'hôpital et peut-être que je vais trouver une solution. À bientôt. Ok, le truc est parti. Oh, je vais mourir. Oh, je suis à zéro de la... Non. Me dis pas que je mours. Hein. Allô? Allô le jeu? L'araignée m'a bouffé un bras. Agonie. Je suis en train d'agoniser. Quoi? Laisse-moi tranquille. C'est le vieux. Non, c'est pas le vieux. C'est pas qu'il faut faire la queue. Est-ce que je peux pas te mettre un... Non. Je peux pas lui mettre un... Un coup de pied de biche, malheureusement. Nous revoilà. Salut. Je vois que tu as trouvé un appareil photo. Prends photo toutes les personnes qui souffrent.
T'es une preuve parfaite pour la mort. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Bah, la dame, elle a plus les yeux. Ah mais c'est le mec à qui j'ai enlevé un œil, ça. Parfait, ça. Ah, du pipi. Du pipi vert. Oh là, ils sont pas en forme tous, hein. Ah, l'infirmière. Bah. Ah, je les ai pris tous les deux en photo, d'accord. C'est un nouveau, lui ? As-tu pris des photos? Attends ici un moment, je vais les imprimer. Ah oui, d'accord. Ah! Il a tout détruit. Non, y'a personne. Non, sans... non. La poignée. Hein? Non. Mais non, mais... Pourquoi tient pas la poignée? La poignée de porte. It n'est la poignée de porte. Il y a le feu là. Allô, il y a le feu. Qu'est-ce qui se passe? Vite. Vite la douche. Regardez, il est là. L'autre il a juste mal au bidou là, je pige rien. Allô, je pige rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Putain mais merde. C'est quoi cette blague? Ça y a autre chose. La poignée. La poignée. Que se passe-t-il par ici? Ce n'est pas ainsi que les choses
fait arriver. J'ai du mal à lire. Toutes ces personnes qui souffrent. Je dois y mettre fin. C'est pas grave, lui c'était un gros con. C'était un gros con, je pouvais pas le blairer. Tant mieux si ça en a fait de la purée. De la purée. J'ai vu comment les gens souffraient à cause de toi. Oh ! La fin. Ah, j'ai cliqué. Allô? Allô? Qu'est-ce qui... Hein, le jeu? Allô, le jeu? Je n'y comprends plus rien. Allô, le jeu? Allô, le jeu? Il a planté ce con? Ah non. C'est bon. Il est revenu. D'accord. Ok. 22h43, est-ce que j'essaye pas de speedrun Ouais, vas-y. Le pont. Alors, faut pas que je tue les osios, hein. Attention, hein. Changer de jeu, non? Ben non. Pourquoi changer de jeu? Attention à pas toucher aux osios. Hein. L'équise. Non. Merde, la batterie a été ouf, je sais plus. J'ai déjà tout oublié. Je peux essayer, ouais, la version gentille. Voilà la pile. Pend les piles. Hop. Ça tue, je suis ok encore. Hein. À vérifier le statut régulièrement. Non. Pas cliquer sur le corbeau. Hein. Attention, faut pas tuer les osios. Hein.
Notre petit bébé, regardez ça. Il est tout mignon. Par ici. Tu cherches un pied de biche. Fais-moi quelque chose en échange. Regardez. Je te donne quoi? Je te donne à boire. C'est ça, fallait lui filer la picole à lui, non? Je sais plus. Je sais plus. Oui, c'était ça. Hop, regardez ça. À boire. Tiens. Merci. Bouge-toi. Bouge ton attitude. Hop. Vous voyez, je fais le bien maintenant. J'ai changé. J'ai changé, je fais le bien. Ah non, faut que je prenne le paperclip. Voilà. Eh bravo, aurais-tu de la monnaie? Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Voyez tout de suite là. Regardez. Grand cœur. Grand cœur malade. Je suis gentil. Chapitre 2, l'hôpital. Une nouvelle personne. En un morceau. C'est impressionnant. C'est pas du tout le même jeu. Tu as l'air perdu. Laisse-moi t'expliquer la situation. Nous sommes piégés dans ce rêve. Pour des raisons mystérieuses, nous pouvons réveiller, personne ne sait pourquoi. Donc ici, c'est une illusion. Les monstres, le sang, les blessures, rien n'est réel. Les seules choses réelles sont la douleur et la peur. Les gens sont affaiblis par la vision de la souffrance et l'invalidité sans fin. Leur esprit terrifié crée de nouvelles bêtes encore et encore. Nous devons trouver le moyen de nous réveiller aussi vite que possible. Il sera peut-être trop tard. Le mieux serait de... De trois petits points. Bon sang, je dois y aller. On se reverra. Et donc c'est pas le même jeu. Nounours. Quoi? Les trucs qui se suicident à la fenêtre. Nounours, il a perdu sa tête. Oui, et puis je suis plus impatient moi en fait. C'est plutôt sympa. Là lui il est moins peuré qu'avant. Finalement le jeu va devenir très sympa et très gentil et très joli. Les araignées pullulent dans ma cuisine. Peux-tu m'en débarrasser? Je hais les araignées. J'ai la clé. Oh non! Sang sur les mains. Ok. Menu. Non. Recommencer le chapitre.
Hop. Un nounours. Bon, faut que j'arrive à... Faut que j'arrive à ne pas tuer les araignées. Il est réveillé là. Dans la corbeille, il n'y a rien. L'ordinateur est infecté. Tous les cris, les SOS. Disque la merde. S'il te plaît. Aide-moi à me débarrasser de ces araignées. Ça. Je peux être gentil. Je peux être gentil et enfermer les araignées dans un petit bocal. Qu'est-ce que c'est que ça ? T'attrapes les araignées dans ce pot ? Bien, plutôt charmant. Je peux la garder ? Toujours voulu avoir des animaux domestiques. Merci pour ton aide. Maintenant, je peux retourner au boulot. Et voilà. Et voilà, je suis toujours gentil. Ça vous donne quelque chose ? Des cheveux. C'est quoi la clé? Est-ce que c'est pas la clé de Didier Deschamps? Non. Hop. Non plus. Clé d'ici.
Il n'a pas vu l'infirmière, j'espère qu'elle va bien revenir, blablabla blablabla. Call me. 555. Ok. Let's see. 555. 279. Ah, il a pas vu l'infirmière. Hop. Et il espère fort 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 qu'elle va le revenir. Tac tac. Somebody help me là. Ok. Ah, il dort. Ah, donc faut que j'aille le chercher à côté. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et des œils. C'est le seul truc qu'il fallait que je récupère. C'est les yeux. Bon, on va rendre les yeux au monsieur. Hop là. Pour ça, je suis gentil. Maintenant. Le corbac. Le corbac, comment je lui fais donner les... Donne. Donne, petit corbeau. Ah, si j'ai plus de thunes. Capsule de bouteille. On peut pas filer ça. Corbeau. Tiens ça, petit corbeau. Ouais, tu préfères, hein. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Amoureux des oiseaux. La dernière fois, j'avais eu... Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Qu'une nuit. C'est beaucoup mieux. Merci pour ton aide. Alors. Passer au cimetière, trouver des indices. Je. J'ai un trouvé. Je suis désolé. Pas de problème. J'ai pas su que tu veux moins essayer. C'est le bus, l'arrêt de bus est en face de l'hôpital.
Toujours gentil ou pas? Ouais. Ouais, ouais, si, si, ouais, ouais, la famille. Faut que je reconstitue un ticket complet avec des merdes que je trouve par terre, c'est ça? Bordel. Une pomme à moitié mangée. Super, j'ai mis ma pomme dans la poubelle. Je suis ravi. Je suis quelqu'un de bien. Ah voilà, vu que la pomme. Les rats se sont mis dedans. Ouais, il me manque un petit morceau. Il va être... Ouais, il y a des trucs là. Il y a un petit raton. Y'a un ratou. Non, c'est nul ça. Y'a un ratou. Des poubelles quelque part, mais si, il y a des poubelles. Non, mais là il y a rien, le truc il est. Poète, poète. Des heures. Regardez la solution.
va être plus simple. Ça j'ai eu, ça j'ai eu. The gate ? Hein ? Il y avait un morceau par terre. Ok. A bus ticket. Le cimetière. Non, faut pas que je prenne la plante qui fait mal. Ou alors faut que j'ai les gants. Chulou. Que fais-tu là? La mort abandonnée depuis longtemps cet endroit. Voir. L'alarme. Toujours gentil, hein? Oui. C'est quoi ça? C'est gentil? Amour des araignées. Bah oui. Je suis gentil avec les araignées. Faut que je la laisse manger l'araignée, tranquillou. Ça. Elle pleure pas la statue. Elle pleure plus parce que j'ai été gentil. Trop bien. Bien, mais il était où? J'ai pas fait gaffe, j'ai cliqué sur quelque chose. Non, c'est pas ici. Oh, je me paume tout le temps ici. Ah, les gants.
Faut pas toucher au ratou. Sinon le ratou il nous casse la gueule. Le ratou faut lui donner à manger. Tiens petit ratou. Merci. Ensuite, bon tu manges ton bras toi ou mange ton bras. Là, c'est là. Ah, maintenant elle pleure, la statue. Toujours gentil, hein? Oui, je suis toujours gentil. Ah, j'ai pu prendre la fleur avec le gant. Et ça, c'est bien. La mouche, elle a mangé. Toujours gentil. C'est bon. Notre petite araignée, elle a tout mangé. Hop. On peut rentrer là-dedans. Petit coup de main. Hop, il faut que je récupère. Les stores. Il n'y en avait pas. Là, il y en avait une. Voilà. Restez là. Semble-t-il. Tac. Merde. On peut pas passer le truc. Ouais. Ouais. Putain, elle s'est barrée encore. Toujours gentil, toujours gentil. Tu l'as rencontré, pas vrai, t'es là. Hein. S'il te plaît, efface-moi. Mes fins, mes souffrances. Réveille-moi de ce cauchemar. Merci. Gentil ou pas? Oui, je suis gentil. Coucou, s'il te plaît, n'aie pas peur des choses horribles, hein, mon sécurité. J'espère que tu vas pas jouer avec, elles sont très dangereuses. Tu peux brûler ou mettre le feu. Tu peux rendre à ton papa ou ta maman. En fait, tu as ton papa ou ta maman, je suis pas parent, mais mon ami et ses parents. Au moins de les garder. Ils dorment sous terre, pas grand chose à faire. Et c'est comme ça, ils étaient pas gentils. Peux-tu m'aider à trouver mon petit corps? Venir avec toi? C'est une belle aventure. Puis-je t'embrasser tes ciseaux? Merci beaucoup. Peux-tu me laisser seul? Viens un moment s'il te plaît.
un petit flacon. Qu'est-ce qu'il a foutu de mes ciseaux ? Salaud. Il m'a paumé mes ciseaux. Alors, un saut de gomme, c'est bien cette chose là. La mort effacer les gens de ce monde avec la gomme. Nous pouvons trouver les autres morceaux. Des morceaux de gomme. D'accord, faut dessiner avec du sang. À la forêt. Petit chien. Ah, ça pourrait être super méchant, ça, je crois. Non ? Non ? Je m'en vais quand je reviens. J'aurais pu être encore plus méchant, en fait. C'est ça, j'ai du sang sur les mains, là. Braconnier. Oh, j'y avais pas pensé à ça la première fois. La première fois, j'y avais pas pensé à ça. J'aurais pu être encore plus salaud, finalement. Je
Non, moi la viande, je vais la donner directement au toutou chien. Voilà, hop, il est gentil. Ah, salut, t'es perdu, je dois souffler un peu. Ça va mourir d'ennui. On va trouver un hameçon. Eh, tu rentres pas là-dedans. Hein. Alors là, on a de la mousse dégueulasse. Ici, c'était la sangsue. Où c'était l'hameçon. Ah bah non, voilà. Voilà, la... c'est Jojo l'asticot. Merci vieux, maintenant je dois me reposer. Merci pour ton aide. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Entre pas là-dedans. Recette de boisson énergisante. Ah mais c'est rigolo, la fois. Enfin, quand on est méchant en fait c'est fleurs, champignons dégoûtants, poisson pourri, asticots, sangsues, myrtilles, céréales. Et on se retrouve en fait, on allait faire du poison quand on était méchant. Et là vu qu'on a le choix, enfin vu qu'on a commencé gentil, du coup, c'est une boisson énergisante pour pas qu'il s'endorme en fait. Fleurs. Champi. Le poisson. Jojo l'asticot. La sangsue. Les myrtilles. Et les céréales. Alors, la fleur, on l'a. Le poisson dégueu, on l'a. Ça, on l'a aussi. La sangsue. Ascension là aussi. Je vais commencer à mettre dedans. L'ascension, c'est bon. En plus, elle nous a pas chopé, donc c'est parfait. Le champi dégueu. Le champi. La fleur. Le poisson crado. Asticot, myrtille, céréales. Asticot, ok. Il faudra la canette, ouais, ça d'accord. Ok.
Jojo Lastico. Myrtilles et céréales. Lui dort. Parce que les myrtilles, c'est là. Il me faut quelque chose pour les ramasser. Les myrtilles, ok. Et céréales. Les roseaux, c'est comme des céréales, non? Alors... C'est bon. C'est bon, c'est trouvé. Boisson. Boisson pleine d'énergie. Merci. Ça devrait me redonner un bon coup de fouet. Et cette fois-ci, on va pas le tuer. Et ouais. Et oui. Ça va beaucoup mieux. Maintenant, on peut y aller. Grimpe dans la voiture. Et en plus, c'est encore plus rapide. Une crevaison. On a trouvé quelque chose de collant et réparé. Ah oui, il fallait trouver un mégot. Là, il y avait l'escargot. Non. Il est où ? Ça, il y avait la boule de poil de guppy là. Ah, il y avait l'escarbiche, mais il n'y a plus l'escarbiche. C'était ça le mégot, ok. Hop, hop, et on allume. Toujours gentil, hein? Ouais. Dégoûtant et puant, ça sert à rien. Ça devrait faire l'affaire. Donne-moi une minute.
C'est fait, on peut y aller. J'ai rien débloqué du coup au chapitre 4. El Parco. Be happy. Think about nice things. Trop bien. Tout est en train de changer. Regardez ça. Si tu veux te montrer utile, trouve l'infirmière. Qu'est-ce que tu fais toi? T'es aveugle ou stupide? Faut pas qu'il y a la queue. T'es pas le seul à avoir besoin d'aide. Attends ton tour. Non, c'était pas là. Une disquette. Elle est là. Eh, tu peux venir m'aider? J'ai payé mon ticket de bus et j'ai pas d'argent. Peux-tu me prêter un peu de monnaie? Bah j'ai pas de thunes. As-tu de la monnaie? Alors, faut que je demande gentiment aux gens. A priori non. Faut ouvrir ça avec une disquette. Hein. Ok, elle est là toujours. Quoi? Putain, fallait vraiment cliquer n'importe où. Hein. Cette pièce est fausse. Je peux pas payer avec ça? Je sais pas moi, je la retourne. Ah! Hé hé hé! Toujours là, lui. Hein. Toujours dans les bons coups. Hein. Donc. Je peux ouvrir ça. Aller ici. Et j'ai deux fausses pièces maintenant. Fausses pièces, fausses pièces. Ah te voilà, j'ai cherché partout. J'avais fait quelque chose, je... Besoin de toi. Les patients t'attendent. Le docteur n'est pas d'un grand secours. Je sais, c'est pourquoi je voulais trouver son corps. Moi j'y arrive plus, il y a trop de patients, trop de souffrance. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. J'essaie de le trouver. On va retourner à l'hôpital. Ok.
Tu peux me payer mon ticket s'il te plaît, j'ai plus un rond. Oui, bien sûr. Vas-y. Merci. Quel gentil homme. Oh. Te revoilà. T'as des nouvelles ? Alors tu viens m'annoncer que la mort vient d'abandonner son travail. Ça a du sens. En tout cas, cet endroit. Nous devons la retrouver aussi vite que possible. Peut-être pourrons-nous la convaincre de sortir d'ici. Je vois que tu as une tête d'ours en peluche. Pourquoi ne pas essayer de la réparer ? Son corps dans la chambre numéro 15. Elle a passé beaucoup de temps au cimetière pour avoir des informations importantes pour nous. J'ai quelque chose à faire. On va voir comment tu te débrouilles avec ta mission. Bonne chance. Toujours pas en forme lui hein. Salut. Je t'ai demandé de ton faveur. Comme un commandeur pape, est-ce que tu peux lui livrer? Nourriture. Quelque chose? Pas maintenant. Faut pas que je suis occupé. T'es stupide ou quoi? Va embêter quelqu'un d'autre. Mais alors lui. Mais alors lui, si tu pouvais lui mettre un coup de pied de biche là. Mais y'a plus la prise. Ils ont viré la prise électrique. Non, c'est pas vrai. Va servir le repas s'il te plaît. Tu me casses les pieds. J'essaie d'appeler depuis quelque part, non? C'est ça? Ah, tu vois ça, c'est le merdier. Ici, y a rien. Pas grand chose non plus.
Ok. Ah. Maintenant on peut. Oh, il est parti. Oh, j'ai le numéro 3. Trop bien. Il s'est barré. Oh. J'ai perdu mon numéro. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Bon, faut que je redonne son numéro. Merci, mon ami. Je reste gentil, quoi. Toujours dans ton osso du 9-3. Ah là, je fais la... J'ai fini. J'ai fini ma première partie en mode je suis un connard fini. Et encore, j'aurais pu faire plus le connard. J'aurais pu être encore plus méchant. Et là, en fait, j'essaie de le faire en mode je suis un gentil. Mais c'est vraiment plus du tout le même jeu, en fait. Les énigmes sont complètement différentes. À partir du moment où tu prends la voie de la gentillesse au départ, toutes les énigmes sont différentes. Mais vieux Conman, du coup. Il est où, vieux Conman? Ok, il y a le 3. Ils ont viré la prise, les glandus. Ah, il est là, vieux Conman, il est là. On a mis du temps, je commence à croire que ça prend des siècles de m'apporter à manger. C'est trop bête pour apporter à manger à quelqu'un. Moi ça, il fiche le camp. Quel vieux con. Il y a une mamie à la place de la vieille dégueulasse riz au self. Attends. J'ai commandé une nature pré-mâchée. Je ressemble à quelqu'un qui a des dents, rapporte-moi ça parce que j'ai commandé. Je suis entouré, idiot. Bute-le, putain! Non, parce que je suis gentil maintenant. On va servir le repas. Putain, vous en avez pas marre de tous me donner des ordres, là? Vraiment pas en forme. Hein. Joue mieux. Ça doit être ça. Non, parce que là, oui, non. Là, c'est tout fermé. Est-ce que je peux... Oh, est-ce que je peux aller pour tout lui broyer? Ouais, il y avait un bruit bizarre. Je le mets sous le bus, sinon il y a le bus. Je lui mets sa patte de poulet sous le bus et puis c'est parti, quoi. Thank you.
Je sais bien qu'il a commandé des trucs pré-mâchés, mais je veux pas mettre ça dans ma bouche. Je pourrais tomber malade. Je sais comment cette chose a été fabriquée, et aussi l'endroit où elle était préparée. Crois-moi, c'est mieux de pas mettre ça dans sa bouche. Ok. La clé des toilettes au cas où. Nourriture mâchée. Enfin. C'est un kebab. Mais elle est où ma boisson? J'ai aussi commandé quelque chose à boire. Quel service? Je vous promets, je vais le buter. Canette vide. Non, pas la... Non, cette fois-ci... pas l'eau des cabinets. Hein. Cette fois-ci, on va lui donner de la bonne eau. Merci. Peut-être on n'est pas si méchant. Je demande pardon. J'en ai assez de cet endroit. On sentirait mieux si tout le monde était comme toi, hein? Bah oui. Bah oui. Sale con! Ah. Vieille meuf est partie. Est-ce que c'est l'heure de mon rendez-vous? Oui, c'est l'heure de mon rendez-vous. Donne-moi le ticket avec le numéro. Comment je puis t'aider? Je vois que tu vas bien. T'es ici pour les... Ah, j'ai plein d'affaires. Je peux donc acheter un œil sur lui. On va voir comment se porte ton ours en peluche. Ah, te voilà. Un fil et une aiguille. J'en ai besoin. Je sais plus où je les avais récupérés la première fois. Le fil et l'aiguille. Oh, mais dans la version gentille, les toilettes ne débordent pas. C'est merveilleux. C'est pas dans la corbeille? Non. Si, peut-être. Je sais plus. Fil et aiguille. Voilà. Oh, je sais plus. Pin-up cursed. Comment ça? Regarde, elle a refermé. Elle a refermé derrière elle. J'ai la disquette si on peut pas de toute façon. Ah mais oui. Voilà. Merci. Ne perdons pas de temps. Oh, regardez. Nounours, il va mieux. Il a l'air comme neuf. Maintenant, pardonne-moi, je dois y aller. Le devoir m'appelle. C'est qui ça? Je vois que ton ami se sent bien présent. J'espère que les informations sont plus importantes pour nous. Dis-nous, Nounours. Qu'est-ce que tu faisais au cimetière? Je me branle. Non, du tout. J'ai gardé les parents de mon ami. Ils sont enterrés. Ils doivent prendre soin d'eux. Et alors? J'ai une manière, hein, a fait des choses vilaines. C'est très méchant, très méchant. Vous êtes vraiment très méchant. La créature nous a blessés. A coupé la tête à tout le monde. J'ai peur. N'aie pas peur, nounours. Tu es en sécurité ici. On est avec toi.
Non. J'ai peur. Je veux rentrer chez moi. Et voilà. Faut trouver un moyen de calmer. Un jouet ou un livre d'images. Bon, gentil, hein. Yes. Par contre, on débloque que dalle. Quand on joue gentil, on débloque rien. Et là, il n'y a plus la prise. Je mets la disquette. Hein, la pièce. Non plus. Comment je fais? Qui c'est qui a enlevé la prise là? On se fait chier aussi quand on joue les méchants là. En même temps. Ah voilà, petite biche. Non. Donc ok, j'ai compris que c'est ça qu'il fallait que je récupère. Et comment je la démonte? Hop. Non mais c'est... Non. Mais un truc... Voilà. Il y a des trucs qui apparaissent au fur et à mesure. Ça c'est relou par contre. Hein. Vraiment ça c'est de la merde. Hein. Comment ça? Comment ça tu veux pas? Putain! Fallait des câbles aussi, évidemment. Évidemment qu'il fallait des câbles. Bon. Là. Bon, je leur dis. On y met une disquette. L'ordinateur est infecté. L'ordinateur est infecté. Ah oui, il faut que je prenne la pilule, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Je cherche quelque chose, hein, c'est ça. Tes comprimés peuvent aider. Je dois y aller. Je n'ai pas le temps. Hop. Virus supprimé. L'image. Alors, remplir. Bim. Le 2. Le 2. Hop, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper de couleur. Le 4. Et le 5. On supprime le fichier. Ok. Enfin, je sais, ça n'a pas changé. Hop, et maintenant nounours. Regarde. Oh là là, quelle belle image. Je peux garder l'image. Oui, c'est ça. Elle est très belle. Elle est très belle. Waouh. Allons. Pour toujours. Oui, vas-y. Jusqu'à ta mort, nounours.
Si tu mets... j'aurais dû en fait. Je pense que dans ma précédente run où je suis un connard, j'aurais dû lui donner une image dégueulasse. Là tout à l'heure j'ai trouvé en fait la première fois, ma première run, le chien qui nous barrait la route par exemple, je lui donnais de la viande. Et en fait, il y a un piège à loup. Là tout à l'heure je fais, mais ça fait quoi en fait si je mets la viande dans le piège à loup? Et en fait le chien se fait choper dedans. Et donc il y a des moyens d'être encore plus connard que connard quoi. Du coup j'ai recommencé pour pas avoir le... Parce que direct je suis passé en méchant quoi. Mais voilà. On peut être encore plus con que ce qu'on a été. Bonne chance. On débloque vraiment que dalle, hein. L'appartement. Toujours la zone là-dedans, hein, par contre. Hein. Regardez, je suis gentil. Trop bien, I am gentil. Il n'y avait pas, pas trop moyen d'être méchant ici, hein, je sais plus. Bon, bref. Hop. De toute façon, paf. J'aime bien le jeu qui s'arrête à chaque fois. Là, j'ai pas accès au menu, en fait. Le menu met à peu près 10 ans à charger. Je sais pas si c'est la sauvegarde qui met autant de temps ou quoi. Mais voilà. Bon, allez. Vas-y le jeu, j'ai envie d'aller me coucher. Allez. En fait, faut que je revienne au bureau pour que ça marche. Allez, salut le jeu, on continuera. Paf. Donc voilà, le jeu était fini une première fois. Et puis bah là, du coup, on essaie de le reterminer avec la bonne fin, histoire de voir qu'est-ce qui change. Ça peut être sympa de voir qu'est-ce qui se passe si on suit la piste de la gentillesse. Voilà. Tout. Est-ce que je fais un petit raid? On a qui? Ah, on a Tenke. Ah bah non, il y a Vorpal qui est encore... Il y a Vorpal qui est encore en live. Donc on va raid le copain à Vorpal qui est en train de faire son émission A à Z sur la PlayStation. Et ce soir, il est sur Castlevania Lament of Innocence. Donc je vous envoie chez le copain Avorpal. Faisez-lui des bisous si vous êtes encore là. Oh, je suis à zéro. Ah, tout le monde s'est barré. Ça, hein? Tant pis, hein. Bon, bah voilà, je vais y aller tout seul. C'est pas grave. Bah merci quand même d'avoir été là. Bisous YouTube, hein. Salut, à la prochaine.